Bonjour tout à tous, c'est Pyrux. Aujourd'hui, on se retrouve sur Ultra Soleil en pleine période crépusculaire. Qui dit crépuscule dit attention, Supa Candy. On va utiliser super moment pour faire évoluer notre ami Rocabo qui a parfaitement monté niveau 24 juste l'épisode précédent. Du coup, Coco est sur le point d'évoluer et si je ne m'abuse, il a 10h33 aujourd'hui. Il va évoluer. Mais il va évoluer en ce qu'il faut. Donc le Rocabo orange qu'on aime tous. On sait pas du tout ce qu'il est, personne l'a pris parce que tout le monde a tourné 30 000 ans avant, du coup il pouvait pas le prendre sans se faire hack. Sauf que moi j'ai fait les choses bien. Et du coup, Lugarok va devenir orange, il va devenir stylé. Je me demande quelle couleur il est en chromatique ce Lugarok. Peut-être il est vert, hein. Je sais pas, attention, est-ce que c'est le bon? C'est le bon, il est là Lugarok. Parfait, là c'est la photo de famille, tout ça, je suis content, on a Lugarok. Ça fait du bien une évolution parce que bon... C'était quand même... on sentait, suite aux dernières épreuves, qu'on a eu un peu de mal. Pas parce que les Pokémon sont mauvais, c'est juste qu'ils ont besoin d'évoluer, en fait, tout simplement. Mais on est sur le point de changer cette donne, et du coup, ça ira beaucoup mieux. Et voilà, donc Lugarok, on est la preuve déjà. Même si, non, il pourrait être utile pour... Enfin, le prochain, si elle reste de type roche, comme on l'a toujours vu. Donc, mon cher Alexia, ce devra... Mania, très bien. Type roche, bon, il est neutre, lui, donc ça va, mais... Mais voilà, donc, est-ce qu'on garde Etrenne? Moi je pense qu'on va garder Etrenne, hein. J'ai envie de faire son truc Z. Par contre, morsure. Mania c'est. Non. Mania c'est combien? 120! Ah oui, quand même. Bah, moi je pense que c'est plus intéressant que morsure. Pourquoi? Je voulais vous le dire tout de suite. Vu qu'on a l'attaque Z de type normal, on peut choisir soit de se booster, soit de faire Mania Z. Et ça, je pense que c'est pas dégueulasse. Vas-y. Les morsures, on s'en bat les steaks. Morsure, ça touche quoi? Ça touche le spectre et le psy, et puis on les touche aussi très bien avec le type roche et le type... peut-être pas le type normal, mais du coup le type roche. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je pense qu'on a, quelque chose de pas mal. Du coup, le reste... Bon, le reste est un peu moyen. On garde toujours Pikachu pour l'instant parce qu'on n'a rien d'autre, en fait. On n'a pas notre chère mascotte qui va revenir pour l'instant. Du coup, on nous a dit d'aller au sud. Au sud, sud, sud. Alors, bonne idée, on répond à Motisma. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai dit bonne idée? Non, dégage. Je veux même pas faire les photos. Je lui dis bonne idée sans lire. Hein. Je pense qu'il m'a dit, est-ce que tu vas aller voir le truc photo? Non, ça ira. On va utiliser pour la première fois Dracaufeu. Voilà, on a Dracaufeu, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et on va aller, parce qu'on doit aller tout au sud, hein, finalement. On doit aller là, voilà. À Ho-Ho-Hall. Et du coup, c'est parti, les amis. On va à Ho-Ho-Hall. Et je sais pas si en faisant ça, ça raccourcit l'épisode en question. Mais du moins, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe au CRI. À l'époque, on parlait beaucoup, il y avait beaucoup de références par rapport à la 4G. En fait, on disait que c'était par rapport à la 4G, mais au final, c'était plus par rapport à ce Ultra Soleil et Ultra Lune avec ses dimensions. Ses ultra brèches, parce qu'on parlait souvent de dimensions et d'espace-temps. Voilà, du coup, bah, je sais pas. En avant, Doudou, utilise l'attaque Trempette. C'est vrai que ce truc, il est inutile pour l'instant. Comment on aurait pu deviner que ce truc, ce petit truc de merde, ce sera légendaire. Franchement. Moi, j'aurais jamais cru. J'essaie de me mettre dans la peau de Pyrux. Oh, t'as envie d'être comme moi? Pauvre Doudou, tu as tellement souffert à cause des humains. J'en ai le cœur brisé à chaque fois que j'y repense. Ah, si seulement je pouvais devenir aussi forte que Tilly et Pyrux. Peut-être pourrais-je alors changer les choses. T'inquiète. Oh, Piu Piu, il est là! Il est là, le BG. Vas-y, viens voir papa. Ah oh, alors là Pyrux, ça faisait longtemps. Ici c'est le centre de recherche interdimensionnel. Le professeur nous attend à l'intérieur. Au fait, où en es-tu dans ton tour des îles? J'ai cru comprendre qu'il y avait 3 épreuves à Akala. Ça doit être rudement fatigant de tous les passer. Alors concrètement, la première je l'ai niqué. Donc le type O. Le type feu c'était moyen. Et le type non, on va dire que j'en ai bavé. Parce que le dernier, il m'avait vraiment fait chier. Et puis le Saturne, c'était pas si facile. Donc on va rester honnête en disant qu'on en a bavé un petit peu. Je te plains. Attends, tu veux dire que tu as déjà terminé les 3 épreuves d'Akala? Voilà pourquoi ton Sylphiatop et toi avaient l'air aussi ravis. Ces aventures vous ont rapproché, ça se voit. J'avoue qu'avec mon Sylphiatop, on est tellement, tellement chaud. Yamete, il est là! Yamete, il veut juste évoluer, Yamete. Ah, là, il y a pas un truc. Là, il y a un truc, tu vois. Ça, je l'avais pas vu, ça. Ça, je l'avais pas vu. Un gros champi. Et on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Je sais qu'il y aura beaucoup de blabla dans cet épisode, je pense. Mais bon, ça c'est comme ça.
il faut bien qu'on se remette dans le bain. Et du coup, voilà. Donc, on doit aller, j'imagine. Qu'est-ce que tu dis, toi? Pokémon très rare qui utilise des anneaux pour se téléporter. Nani? Nani, on dirait ou pas, ça, comme description. Quand tu connais. Quand tu sais qu'il y a. Quand tu sais que. Dans le sens où je me suis fait spoiler les ultra brèches, ce qui me casse un peu les couilles, mais bon, quand il y a tout le monde qui fait des lives là-dessus, c'est un peu chiant. Et du coup, bon, je me suis fait on va dire, spoiler ça. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous en dirai pas plus, mais grosso modo, moi, quand je lis ce qu'il me dit lui, moi, je pense à ou pas, tu vois. Anneau, et puis les types psy, on parle de dimension, il y a moyen que ce soit ou pas, tu vois. Mais dans le cas de figure, c'est pas vraiment ça. Mais bon, on va rien dire, peut-être qu'ils vont en parler. Ils vont en parler ici, je sais rien. Coucou ma chérie d'amour, comment ça va? Tiens, te voilà toi. Je te présente le professeur Pimprenel. C'est la chef du labo du CRI. Et c'est aussi ma petite femme chérie. Hello, t'es bien que c'est ça? Enchanté, Lily m'a beaucoup parlé de toi. T'es vraiment un dresseur sur qui on peut compter si j'ai bien suivi. Ah, tu te demandes peut-être comment je connais Lily? Je suis tombé sur elle alors que je me promenais sur la plage, c'était il y a 3 mois. La pauvre, elle s'était évanouie de fatigue, tout comme Cosmog qui était caché dans son sac. Tiens, Tilly n'est pas avec vous aujourd'hui? Oh bah tu sais, Tilly, il vit sa vie dans son coin, il n'a pas besoin de nous. Hein. Mais on sent... Ah, très bien, il faut le dégager, il sert à rien. Mais on sent déjà qu'il ira loin, il finira doyen comme son papé. Sérieux? Vous pensez vraiment ça? Trop bien! Waouh, tu m'as fait peur, haha. Mais oui, t'iras loin, mon petit gars. Salut Tilly, ça faisait un bail, je vois que t'as toujours la forme. Dis chérie, tu pourrais faire un topo à Paris sur l'étrange phénomène d'Alola? Pas de soucis. Qui dit phénomène inexpliqué à Alola dit ultra brèche. C'est un phénomène super rare, mais il arrive qu'une brèche apparaisse dans le ciel d'Alola. Elle donnerait sur une dimension inconnue. L'hypothèse de la brèche dimensionnelle, on ne l'a pas pondue au hasard. D'après les légendes, de terribles Pokémon seraient sortis de cette ultra brèche. Ça confirme l'idée d'un pont interdimensionnel. On manque de preuves pour étayer cette théorie, mais c'est une piste à creuser. Et dans le Pokédex, on trouve plein d'éléments qui laissent penser que d'autres dimensions existent. Des Pokémon terribles, comment ça? Eh bien, imagine qu'un Pokémon sauvage t'attaque, d'accord? Maintenant, imagine le même Pokémon en 1000 fois plus féroce et tu auras une idée de ce qu'étaient les Pokémon de l'Ultra Brèche. Autrefois, on les appelait les Ultra Chimères et tout le peuple d'Alola les craignait. Les gardiens se seraient battus contre eux de toutes leurs forces pour protéger les îles. Enfin, toutes ces légendes sont vraiment très, très anciennes. C'est super difficile de me démêler le vrai du faux, et du coup, on est en train de faire les recherches. Du coup, on étudie les distorsions de l'espace-temps dans l'espoir d'élucider un jour le mystère de l'ultra-brèche. J'ai consigné mes découvertes sur les liens entre les Pokémon et les dimensions dans les comptes rendus rangés sur les étagères du labo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. C'est ce qu'elle vient de nous dire, j'imagine. Alors, c'est une description d'Archéodangle, il a porté la pluie en créant un portail vers une autre dimension, donc un type psy, encore une fois, était synonyme de bonne récolte. Pas le cas, encore une fois, maîtrisant les liens de l'espace, il peut voyager vers une destination lointaine ou une autre dimension. Donc, pour l'instant, c'est deux Pokémon de la 4ème génération, comme par hasard. Et, ah, il vit dans le monde distorsion, un monde à l'opposé d'une autre qui échappe au sens commun. Ok. 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 Et ici. Il y a plein de documents traitant de l'interstice du rêve. Il s'agit de l'espace qui sépare notre monde et celui des rêves. Ok. Ok, non, c'est la même chose. Très bien, j'en ai 20, c'est très bien. Je sais, il faut qu'on aille voir Professeur Chen. Ok. À la plage d'eau, Alba en nid en plus, c'est super ça. On va récupérer ça après. Voilà, est-ce qu'il faut encore que je lise quelque chose? Il y avait, je crois, de la partie... Ils disent quoi? Ok. Non. Est-ce qu'il faut encore que je lise? J'ai consigné mes découvertes sur les liens entre les Pokémon et les dimensions dans les comptes rendus rangés sur les étagères du labo. C'est plein de photos du professeur. Ok. Ok. Bah, j'ai vu, moi, j'ai lu les étagères. Là, j'ai lu tous les étagères. Je pense que j'en ai pas lu un. Il y a combien? Il y a 3 étagères, j'ai lu 3 trucs. Non, c'est bon. Nietti! Ah, d'être là-dessus. Ok. Ils disent quoi? On s'est rappelé l'interstice du rêve, ouais, bon, c'est ce qu'il dit avant. Une personne répondant au nom de Moon a publié une thèse très intéressante sur les ultra brèches. Mais là, il y a sûrement un truc, non? Non, pas vous, je m'en bats les steaks. Bon, c'est bon. Ah, ok, il fallait reparler à elle. C'est il y a environ 3 mois, je voulais te voir le professeur Pimprenel pour tenter d'en savoir plus sur Cosmog, mais je me suis perdu en chemin et j'ai fini par tomber d'épuisement sur la plage.
C'est là que le professeur Pimprenel m'a recueilli, elle a écouté mon histoire jusqu'au bout malgré l'heure et la fatigue. Elle a même persuadé son mari, le professeur Euphorbe, de me loger, de m'aider à percer le mystère de Doudou. Forcément, ça l'aide elle, hein. Pour moi, le professeur Pimprenel est un peu comme une deuxième maman. Ne faut pas croire ça, hein, c'est une petite peste. Attention, les scientifiques, c'est surtout pour leur... Non, je rigole. Ouais, mais bah non, moi je m'en fous en fait, c'est bon. On est obligé de rester là? Ah oui, c'est bon. C'est vraiment très intéressant, qu'est-ce que t'en penses, Pyrux? Ces ultra-chimères existent vraiment? Je me demande bien quel genre de capacité elles peuvent avoir. Pour puisque tu n'en as pas fini avec les trois épreuves, il te reste plus qu'à défier la doyenne d'Akala. Un duel contre la frangine Alexia, je sens que ça va être une grande épreuve d'anthologie. Alexia habite à Koni-Koni, de l'autre côté du tunnel d'Opiqueur, bonne route à toi. Oh, et fais gaffe à la Team Skull, n'est-ce pas? Et oui, moi, je vais rester pour discuter un peu avec le professeur Pimprenel. J'adore avoir tout plein de nouveaux endroits d'explorer avec mon équipe. Rien de tel pour renforcer les liens. Très très bien. Très 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 bien. Bon, du coup, on peut se passer de ça. Les Opiqueurs ont la chance d'avoir un tunnel à leur nom. Et moi donc? Le tunnel Pyrux. J'avoue que le tunnel Pyrux, c'est pas mal, non? Allez, on se casse. On a fait les blablas de l'épisode. Et du coup, on va faire la traversée du tunnel, hein, tout simplement. Et du coup, vu qu'on a un nouveau Pokémon, on va l'utiliser, évidemment. Parce que sinon, c'est pas drôle. De toute façon, il y a juste Ulquiorra qui a la masse. Mais Ulquiorra, de toute façon, je sais que je vais en transpirer pendant tout le let's play. Mais bon, on va dire que c'est... plus un bien qu'un mal, ou c'est un mal qui se transforme en bien. C'est quoi la phrase qu'on dit? Mais c'est pas grave. Ah oui. On se tait. Je dirais pas à quoi ça ressemble, les gars, mais... non, c'est dire que je suis un beauf. On dirait... Je me tais. On dirait une brèche dans le ciel. Franchement, je trouve qu'ils auraient dû faire plus à la place de faire un truc un peu une vulve comme ça. De faire genre, comme dans Bleach, l'espèce de craquement du ciel, tu vois, pour faire apparaître les trucs. Pas genre un espèce de... C'est chelou, je trouve. Pyrux, t'as reçu les épreuves des trois capitaines. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à traverser la tunnel de Piqueur, tout ça. Il n'y a pas de combat à faire, hein. Non, je pense pas, non. Pokémon, vive les Pokémon. Et très bien. Du coup, on peut y aller, tout simplement. Super. Ah, un épisode tranquille avec une évolution super et surtout la cave d'Opiqueur, c'était un endroit sympa de ce que je me rappelle. MDR, on fait deux pas déjà, ça nous saoule. Opiqueur, est-ce qu'on va trouver un Opiqueur? Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé un seul. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on a un coco, mais du tonnerre. Il avait combien d'attaques l'autre? Il avait une quarantaine, non? Il a combien maintenant? Il a combien? Il a 68. Oh là là. Il a griffe dure! C'est trop fort. Bon là on se casse, hein, évidemment. C'est juste que je me rappelais pas qu'il avait griffe dure. Enfin, j'ai pas fait gaffe à son talent, je dois avouer. Du coup, c'est un Pokémon qui tabasse sacrément fort. On va juste tâter le motif Smago. Allez, 3, 2, 1, go. Non, je crois que c'est un truc de merde. Quoique, je sais pas. Et c'est un motif récup PV. D'accord. Ok. Pourquoi t'es pas content? T'as peur? C'est bon, relax. Ah, Alexia. Enfin, comment avance ton tour des îles? Fais voir un peu les cristaux Z que tu as. Alors comme ça, tu as reçu l'épreuve de Barbara. Chapeau bas, Pyrux. Tu devrais donc être assez fort pour traverser le tunnel et en sortir en un seul morceau. Je tiens boutique à Koni-Koni de l'autre côté du tunnel. On se retrouve là-bas? Très bien. Y a pas de souci. On se retrouve. Pour l'instant... Il y a moyen qu'il mette... Ah, il me met pas... Comment dire... Le chemin. Hop. Évidemment. C'est un Voltorb. Non, est-ce qu'il y a un gros Pokémon? Vas-y. Putain, mais il y a que une Sphéraptie ici, c'est pas possible, je pète un câble. Cave Topiqueur, il y a aucun Topiqueur. Enfin, Tunnel Topiqueur. Parce que la Cave Topiqueur est déjà pris. Mais là, franchement, ça va pas. Non, il y a aucun Topiqueur. D'Alola. Même pas Topiqueur normal, tu vois. Non, d'Alola. Pierre-feu. Ça, par contre, c'est intéressant, même si j'en ai pas besoin. Je sais pas si je suis allé dans le bon chemin. Ah, je crois que oui.
Du coup, on va aller dans l'autre chemin. Ouf! Les choses avancent enfin depuis qu'Alexia est aux commandes. Alola, nous sommes membres de la Fondation Aether, nous œuvrons à la sauvegarde des Pokémon. Comme tu peux le voir, les Topikers sont étrangement agités ces derniers temps, je n'en ai même pas vu un seul. Nous soupçonnons un coup de la Team Skull. Ça ne m'étonnerait même pas de leur part. Ces voyous prennent plaisir à importuner les Pokémon sans parler des honnêtes gens. Les Topikers se déplacent à travers un réseau de tunnels qu'ils ont creusé pendant plusieurs années. Nous devons faire en sorte qu'ils puissent continuer de les emprunter sans se faire constamment hospiller par d'autres Pokémon. Il reste encore beaucoup de Topikers à agiter par ici, fais attention à toi. Ok. Alors avant de s'exciter contre eux, je voulais donc aller voir de l'autre côté. Parce que bon, il y avait deux côtés, forcément j'ai pris le bon par défaut, j'imagine que c'est le bon. Hein, parce qu'on a une petite animation, donc je vais aller voir de l'autre côté. En attendant peut-être on aura le Pokémon rare de la zone, parce que c'est ce qui m'intéresse. Et en même temps, on a le temps parce qu'on doit se rendre à Koni-Koni et s'y arrêter. Avant de faire justement le fameux combat contre la doyenne qu'on fera à deux évidemment avec Galius, ce qui conclurait la deuxième île, hein. Ce qui est pas plus mal, hein. Donc là c'était voilà, c'est juste ok, donc là il y a ça, ok il y a juste un gars, il y a juste un gars. Ah, les Topikers, les voilà. Je les attendais. Au moins, ils sont moins chiants que les Topikers normaux. Parce que les Topikers normaux, ils ont une fois sur deux piège, machin, là. Du coup, t'es obligé de les tuer. Là, au moins, il l'a pas. Il l'a pas. Donc, c'est cool. Allez, hop. Une sombre boule. On prend. Est-ce qu'ici, il y a quelque chose? Non, ici, c'est la fin. Ok, d'accord. Du coup, on fait le petit combat. Et on retourne de l'autre côté. On a débloqué le truc. Et on continue le tunnel. Je crois qu'il y avait des combats contre la Team Skull. C'est possible. Du coup, à voir ce qu'il nous réserve. Donc, il nous propose quel Pokémon? Du coup, un Dinoclier. Genre le Pokémon parfait pour me contrer, quoi. Genre, mais parfait, quoi. Roche Acier. Malheureusement pour lui. Non, Crofeu, ça sert à rien. Je vais juste voir comment je lui fais. Mur de fer. Mur de fer. Tu penses sincèrement que tu peux me faire beaucoup, beaucoup peur? Hop. La trouille. C'est con ça. Hein. On refait gros feu, c'est ce qui fait le plus de dégâts. Vu que c'est tout pas efficace. Provoque. Easy. Easy, j'adore ces yeux rouges et verts là. Ah oui, ce Pokémon. Coco, tu vas être kiffante. Je sais pas si je vais la garder, mais pour l'instant j'en ai besoin. Parce que c'est justement c'est le seul qui a évolué, la seule qui a évolué. Du coup elle tabasse quand même pas mal. Faut quand même que je la garde le plus longtemps possible, le temps que tout le monde évolue un petit peu. Et après je pense que c'est un Pokémon qui sera moins intéressant sur la longueur. Dans le sens où il va être, vu qu'il évolue assez tôt, souvent ce genre de Pokémon, bah ils ont des défenses qui sont intéressantes au début hein, quand ils évoluent. Mais après moins. Et du coup bah on verra ce qu'on peut faire avec, mais comparé aux starters, par exemple, qui évoluent deux fois déjà, donc le temps qu'ils évoluent, ils prennent aussi des stats, c'est toujours comme ça. Hein. Ou alors les dragons qui sont des Pokémon exprès utilisés pour la fin du jeu, parce que bah, ils prennent du temps à évoluer, donc forcément, plus ça prend de temps à évoluer, plus sensiblement, ça devient des Pokémon intéressants. Hein, c'est logique, hein, tu vas pas te faire chier pour avoir un Pokémon de merde. Ça serait un petit peu nul. Bon, nous sommes d'accord. Alors, Ipsy, on a une Hyper Potion. Et du coup, ici, on a un petit passage. Bien. Peut-être les Pokémon intéressants. Je sais pas. J'imaginais un petit Minotaur, tu vois. Un Minotaur des familles. Tu vois, genre Minotaur pourrait remplacer facilement Lugarok. Hein. Clairement. Pourtant, il évolue qu'une seule fois. Mais vu qu'il évolue un peu plus tard, je pense, bah, il est plus intéressant. Après, son double type est fou. Hein. Acier seul mon gars, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Ok, donc on est allé dans le bon chemin disons, parce que du coup on va reprendre après le chemin de par là. Il n'y a pas de souci. Par contre du coup ici c'est que des Pokémon acier. Bon, normalement on a Crofeu qui fait la différence, en plus elle est boostée avec Griffe dure. Donc moi il n'y a aucun souci, tu vois. Petit Magnéti, moi ça ne me dérange pas. Topikers, donc Topikers peut être dangereux dans le sens où il est seul. Mais après, moi je pense qu'on peut one-shot. Il y a des défenses de merde. On est niveau 25, Crofeu, on n'en parle plus. On n'en parle plus, vas-y. On n'en parle plus. Voilà, merci. À la prochaine. Mèche Rebelle, qui
fait baisser ma vitesse. Ah, ma vitesse, ça c'est chiant. Je suis déjà discret, je suis déjà lent de base. Il va renvoyer un autre piqueur. Ok, d'accord. Le truc bien relou à souhait. Bon, on va mettre Tensa. Hein. Juste pour faire vite fait une attaque feu. Tensa qui, mine de rien, se rapproche de son évolution. C'est celui qui est en ligne de mire. Il a franchement du charisme, même si... Oh punaise, t'es sérieux, mais... Je savais qu'il y a un truc comme ça qui allait se passer. Vas-y, gros feu, s'il te plaît. S'il te plaît, fais pas le fou. S'il te plaît, touche-moi, cette bête. Voilà, merci. À la prochaine. Donc, pour l'instant, on a vu Topiqueur et Dinoclier. Donc, il y aurait peut-être des Dinocliers dans ici, là. En sauvage ou en... Je pense pas, vu que c'est un fossile, mais bon. Vu que les fossiles, on doit les acheter bientôt. Il y a moyen qu'il fasse un petit clin d'œil par rapport à ça, je ne sais pas. Allez, on continue. Ah, franchement, j'ai hâte de voir la suite. Je vois en fait dès que ça change vraiment, parce que là... Là, moi, j'ai vraiment envie... Ah bah, il y a eu... Ah, ça craint. On était là, à glander, puis tout d'un coup, les Topiqueurs ont surgi nulle part, et nous, et nous ont mis la pâtée. C'est vraiment la honte pour des brutasses comme nous, de se faire brutaliser comme ça. Allez, vas-y, qu'est-ce qui se passe? J'ai grave le seum, ça me donne envie de combattre le premier dresseur qui passe. Désolé pour toi, mais tu débarques au mauvais moment, au mauvais endroit. Oh, et Pyrux. Ah, combat duo. Ah, j'ai cru que c'était que tu t'étais fait de nouveaux amis, mais c'est juste la Team Skull. Même lui, il les respecte pas. Si Tilly respecte pas la Team Skull, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Bon, allez, c'est parti. C'est pas... Non, c'est toujours pas des combats du haut. Hein. Je pensais, mais toujours pas. Dire que il aurait pu le faire, il y a Tilly qui débarque. Ça pourrait être un petit peu... Ah, oui, voilà, ça peut être intéressant, enfin. Et là, du coup, on aura des Nocéraptors. Non, Tritox et Abo. Ah, c'est chiant, ça, par contre, Abo. Bon, c'est pas grave. Il a quoi, lui? Il a un Evoli. T'as encore un Evoli, quoi. T'as une pierre feu qui tombait récemment. Mais bon, c'est pas grave. On va faire contre Tritox. Non, mais laisse-le moi, mec. Abruti. Hop, on tue le Tritox parce que voilà, easy money. Et maintenant, le Abo peut strictement rien faire contre nous. Hein. C'est normal. Regard Méduson. Non, pas sur moi, s'il te plaît. J'ai pas envie de me faire paralyser. Évidemment. Bon, alors là, on va passer sur du mania. Du mania. J'espère que ça tape... oui, ça tape forcément l'adversaire. Hein. On fait tellement de dégâts. Ah ouais, paralysie flinch. Eh ben non, ça marche pas. Et du coup, on tue. Merci, à la prochaine. C'était Pyrux. Voilà. Du coup, les sbires, comme d'habitude, on les défonce. Mais ça a pas changé. Hein. C'était toujours les... En fait, ils me font... Plus je leur parle, plus ils me font penser en fait à la vraie Team Rocket dans l'anime, tu vois. Qui se font victimiser à chaque fois. Toujours les deux mêmes abrutis qui se font victimiser, tu sais. C'était tellement toujours la même chose. Et c'était drôle, hein, mine de rien. Et puis ça, c'était sympa d'être du même côté pour une fois. Mon équipe était en pleine confiance avec toi. Tu dois avoir une aura ou un truc comme ça. Tiens, histoire de fêter notre victoire. Tu me soignes? Non, nul max, très bien. C'est une nul max. Avec ça, tu peux redonner tous ces PP à un Pokémon. Trop cool et tout ça, très très bien. Et voilà, Motismo Gogo, t'inquiète pas, j'y joue un petit peu des fois quand ça m'arrive. Je gagne jamais ce que j'ai besoin. Et on va juste utiliser un anti-parage, j'en ai sur moi. Hein. Un... J'en ai pas. Antidote. T'es sérieux? Et là, j'ai aucun truc qui me... Ah, je sais, j'ai quelque chose. Voilà. Attends, il m'a soigné. Ouais. J'ai pas vu qu'il m'avait soigné. Y'a pas de soucis alors. Du coup, on continue. On a combien de temps? Oh, on arrive petit à petit à la fin. On fait tranquillement le tunnel, ça y a pas de soucis. Alors, donne-moi. Fais-moi voir un Pokémon de fou. Arcapti, alors c'est aussi un fossile. Bon, Arcapti, ça va. Dans le sens où il est type vol, du coup, bah, il va ramasser encore une fois. Oh là 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 là. J'adore ce Pokémon. Il est trop stylé. Mais j'avais pris dans le let's play de Soleil. Un Rocabo que j'avais entraîné et je l'aimais déjà très beaucoup, tu vois. Le type, la forme diurne comparé à la forme nocturne. Et du coup, le fait qu'il garde en fait, on va dire plus son côté. En fait, il garde tout son côté, son design de la forme diurne, sauf les yeux plus du nocturne et ses yeux un petit peu genre de défoncé et cette espèce de grosse fourrure, mais qu'est-ce qu'il est. Donc pour moi, en fait, ils ont pris le meilleur des deux, finalement. Non, là, si je vais là, c'est mauvais. C'est clairement mauvais.
Ah bah du coup c'est fini déjà. Ok. Route 9. Et du coup... Ah, notre cher professeur. Tiens, tiens, on fait le tour des îles, jeune homme. Moi c'est Péladonis, d'où je viens, qui suis-je, peu importe, disons que je suis un citoyen du monde. Et que je voyage incognito pour une mission spéciale. Bref, alors là c'est vraiment l'endroit sympathique, parfait pour les vacances. On y fait des trouvailles incroyables. Tiens, pas plus tard que tout à l'heure, je suis passé par la boutique d'Alexia à Koniconi et j'ai récupéré une pierre rare. Ici au moins vous n'êtes pas envahi par des fous furieux qui veulent construire un monde nouveau ou par des pseudo-guerriers qui se battent soi-disant pour la liberté des Pokémon ou je ne sais pas quelle lubie. Là il fait référence donc à la 4ème génération avec la Team Galaxy et à la 6ème génération avec la Team Fleur. Vu que c'est là qu'il est apparu, Belladonis, il me semble. Hein. Non mais je vous jure. Enfin je dis ça, mais je ne suis pas rassuré d'apprendre que la mafia Pokémon rôde dans le coin. C'est moi la mafia en fait. Pardon, je parle et je ne vois pas le temps passer. Quel incorrigible vieux machin je suis. Tiens, prends cette pierre foudre, j'en ai acheté 3 sur un coup de tête. Très bien. Ah bah du coup, non on peut pas, Pikachu. Il est impossible à faire évoluer. Sur ce, je te souhaite de vivre de bien belles aventures pendant ton tour des îles. Très bien, Belladonis, ça fait plaisir. De te voir. Et moi j'aime bien ce gars. Ah il y a des flics. Très bien. Qui dit flics dit Kalinos. Ah, en fait les flics je pense qu'on peut que les battre la nuit. Donc théoriquement Galio ça peut être pas eu besoin de les battre. Après c'est pas sûr parce que peut-être qu'il a tourné avant moi. Du coup pour lui c'était la nuit encore. Essayez un Ponchin de toute façon. C'est pas Kalinos. Kalinos ça me manque Kalinos quand même. Mais Ponchin après c'est quand même assez vénère. Ponchin mine de rien. Enfin Poncho côté voyant Ponchin déjà c'est pas mal. Ah l'intimidation. Bah tiens, on va voir un truc, est-ce qu'il résiste? Alors attention, Mania. Donc ça de base, ça fait quoi? Utilisé pendant un combat, multiplie par 2 l'argent gagné, ok. Plus les stats, effectivement. Et ça? Utilise la force Z pour s'élancer, 190. Bon, c'est toujours très très fort. Est-ce que les attaques Z physiques sont impactées par crit dur? Je pense pas, mais... On sait jamais, regardez-moi ces yeux rouges là. Nani! Coco pas contente. Alors je sais pas du tout si à moins 1 je tue. Hein. À moins 0 je tuais ça c'est sûr mais à moins 1 je pense pas. Hein. Bon on va voir déjà. Allez 190 c'est pas stable et tout ça. Mais on est confiant. Pas du tout. Rengorgement. Mais du coup il était pas prêt tu vois de recevoir l'attaque Z. Et là on va lui faire une attaque. Encore une fois Mania parce que c'est le plus fort qu'on a. Et je pense que on tue. Voilà tout à fait. Easy. Niveau 26 pour Coco et du coup on va voir ses stats qui sont abusément stylés. Il a 71 en attaque ce qui est quand même assez cool. Et il apprend hurlement ce qui est moins cool. Pas du tout utile. Ce qu'on veut apprendre c'est limite des choses intéressantes. Ah 26 pour Yamete. Yamete est en train de se rapprocher de son évolution. Je vous rappelle il faut tourner la console à l'envers dès qu'on le fera. Vous inquiétez pas on le fera ensemble dans tous les cas. Alors ici on se retrouve... Vers la colline Memento, tout ça, ça c'est pour plus tard. Une aura représente son bonhomme mignon. Ok, on peut pas aller là, je pense. Je pensais qu'on pouvait pas aller là. Mais là c'est pour plus tard, sommes-nous d'accord? Ou alors pas? On a combien de temps? 28 minutes. Je sais pas s'il a fait la colline Memento. Il me semble que c'est pour plus tard ça. Je pense. De toute façon, on arrive à la fin de l'épisode. Si jamais tu veux passer à Koniconine, il faut absolument que tu visites le magasin d'Alexia. Il n'y a pas de souci. On va aller acheter toutes les pierres qu'il faut. Tant qu'on peut acheter les pierres nuit, c'est ce qui m'intéresse. Précision plus, très très bien aussi. Et... Ah, toi, je veux bien te battre. Et on va finir avec un dernier combat, peut-être un Pokémon de type O, pour voir ce que ça donne. Et du coup, on s'arrêtera directement après ça. Je pense que Gaius a fait à peu près la même chose. Je pense qu'il n'a pas fait la colline Memento. J'espère... Parce que s'il l'a fait, j'aurais du retard à rattraper, mais je pense pas. Mais je pense avoir pas pris spécialement mon temps, hein, je crois. Mais il me semble que la colline Memento et tout ce qui est au copion et tout ça, c'est après. C'est justement quand on va aller voir Alexia d'abord, elle va nous dire, allez du coup vers la ruine de l'éveil, parce que c'est là-bas qu'on va aller combattre la meuf. Et du coup, voilà, il me semble que ça se passe comme ça. Après, peut-être je me suis trompé, mais il me semble que c'est comme ça. Du coup, oh merde, si je suis mania, c'est un peu con parce que... Tu tues mon gars, qu'est-ce qui se passe? Allez, ramène-moi n'importe quoi. N'importe quel poisson, il n'y a pas de souci. Tensa niveau 28. Vantardise pour. Tensa, il a Vantardise. Non. Pas l'attaque de fragile. Allez, on y va. Tentacool. Tentacool est nul en défense physique. Il va prendre tellement cher. Tentacool. Yamete numéro 2.
Et c'est le mania qui repart. Et oui, et c'est normalement le one shot. Voilà, trop fort. Notre ami Coco est sur le point de devenir un Pokémon super intéressante. Et du coup, ça c'est cool. Merci beaucoup, mon petit vieux. À la prochaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rentrer à Konikoni. Tout simplement. Je pense pas qu'il y a un truc qui va se passer. Je pense pas. Et on s'arrêtera avant le drapeau, dans tous les cas. Voilà, il y aura juste une petite animation de la ville. Comme ça, on est donc à Konikoni. Et comme ça, on se retrouve avec Galdius dans le prochain épisode. Je pense. Hein. Je pense. Même si, bon, faudrait visiter ici, tu vois. Mais, à mon avis, là, de ce que je me rappelle, moi, je vous le dis. On va aller dans le magasin où il y a le Taridorm, là. Enfin, où il y a le drapeau. Elle va nous dire, voilà, il faut que vous ayez... Enfin, je vais vous affronter et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais pour ce faire, il faut passer toute la colline Memento, il me semble. Si c'est pas le cas, je ferai en off, malheureusement. J'aurais dû peut-être le faire moi-même, mais c'est pas grave. Mais pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer. On verra avec Galdius ce qu'il en pense. Mais à mon avis, on fait un duo, là. Même si ça risque d'être long, au final, il y a juste le combat à faire. Mais pour se rendre jusqu'au combat, à mon avis, si on prend 20 minutes, c'est pas grave. Hein. Et derrière, non, moi, à mon avis, ça doit être ça. Donc normalement, on se retrouve pour un duo. Et si jamais, vous retrouvez un petit solo, il n'y a pas de souci. Ciao à tous, c'était Perux, laisse un gros like pour cet épisode, et surtout, j'ai hâte de faire évoluer plein de Pokémon, dont mon petit Yamete 26, Ulquiorra, bon là on peut attendre encore un petit peu, Mafioso, on a besoin de la pierre nuit, et Tensa encore un petit moment, et surtout du nouveau Pokémon qu'on est sur le point de peut-être capturer, vous verrez bien ce qu'il en est, on se termine avec un beau, on va le toucher tout ça, et oui ça c'est beau, et oui notre beau Coco, à la prochaine, c'était Perux, ciao bye bye.